Marc Raquil, 31 ans, d'origine martiniquaise, né à Créteil. Il a commencé l'athlétisme à 18 ans par le cross, avant de multiplier les titres de champion de France du 400 mètres. Pendant l'année 2007, pendant 6 mois, j'étais seul. Donc sur cette période-là, j'ai un peu réfléchi à mon devenir et à trouver un nouvel entraîneur. Et finalement, Stéphane Caristan est celui qui m'a le plus plu, quoi. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est son investissement dans l'entraînement, toujours sa manière de préparer les séances, bien personnalisées. Et tous les matins, on s'entraîne à l'INSEP, de 11h à 14h, parfois jusqu'à 15h. Ça dépend des séances et du type d'entraînement proposé par Stéphane. Et jusqu'à aujourd'hui, j'arrive à m'entraîner très bien et à me sentir bien dans mon corps. Je mets en place des choses au niveau du suivi médical. Je suis beaucoup plus pointu au niveau de la kiné, au niveau de l'ostéo. Et c'est des choses qu'en 2007, je n'étais pas bien réglé encore. Les minima sur 400 mètres plats ne sont pas astronomiques. Je veux dire, on me demande de réaliser 45 secondes et 20 dixièmes. Je pense que c'est tout à fait abordable. Le problème, ça fera d'arriver en finale des Jeux Olympiques. Et c'est pas seulement avec 45-20 que je vais y arriver, donc je me concentre pour aller vite cette année et je m'en suis donné les moyens. Atteindre la finale olympique serait déjà un beau rêve. Je joue à fond l'individualité, mais en même temps j'ai la chance de pouvoir faire dans l'athlétisme une épreuve où il y a un collectif qui peut jouer, avec le 4x4 français qui est toujours en finale de tous les championnats dernièrement. On a peut-être une grosse chance de médaille, et même d'embêter les Américains. C'était une belle surprise 2003 pour moi, et ça a été la surprise également pour tout le public et tous mes partenaires. Une bonne surprise, mais j'ai quand même apprécié 2006, puisque là c'est vraiment dû à un gros travail, parce que j'étais pas du tout attendu. Tout le monde courait vite sauf moi, et arrivé là-bas, je savais pas trop où j'en étais et j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir avoir deux titres de champion d'Europe. Il faut pas du dernier mètre par mètre, mais c'est trop loin, c'est trop loin. Et Marc Raquil, c'est pas trop loin. Le rêve le plus proche et le plus fou, ça serait une médaille olympique. Ce serait sympa sur le tableau des médailles, quoi, sur mon tableau perso. Marc Raquil, une façon de courir, négative split, un look et un rendez-vous à Pékin après une saison 2007 gâchée par une blessure. Marc Raquil, une vraie chance de médaille pour la France.